De Monkey UDC en cette belle journée d'accalmie des orages. Alors, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo là, juste avant, où je vous montrais comment c'était conçu au niveau, au niveau de la vigne là, donc vous pouvez constater qu'en fait, ce sont des câbles électriques ou des câbles un petit peu spécifiques avec un gainage pour protéger la vigne, qui donc est tiré de poteau en bois en poteau en bois, de petits de piques en fait, de piquets, qui permet donc d'accrocher la vigne dessus pour pas qu'elle parte dans tous les sens et puis pour bien la centraliser lorsque la machine doit passer pour la récolte. Beaucoup de personnes d'entre vous me disaient, mais qu'est-ce que je fais moi avec une pince multi-tool, style Victorinox, comme vous avez pu constater. Eh bien voilà. Vous avez la réponse à votre question. Donc, la pince multi-tool est devenue, au fil du temps, un outil de plus en plus utilisé dans le domaine par les ouvriers agricoles, enfin les ouvriers viticoles plutôt, pour ces fonctions-là. Et en plus, ici, en France, c'est devenu aussi très intéressant puisque ça permet d'emporter avec soi une lame, hein, comme par exemple là, mais bon, on a la même chose sur les Leatherman, hein, d'emporter avec soi un maximum d'outils dans un encombrement minimum et dans une certaine légalité, puisque une lame comme ça est tolérée par les forces de l'ordre pour être transportée, puisque bon, c'est plus considéré comme un outil. Alors encore sur le Victorinox là, c'est un peu particulier puisque bon, il y a un cran d'arrêt et que la lame est accessible à l'extérieur. Lorsque vous avez les pinces de première catégorie, style entre guillemets Gerber ou compagnie, là où il faut ouvrir à l'intérieur, vous savez, pour pouvoir, comme par exemple j'avais, et encore non, même pas sur la Leatherman, c'était pas comme ça, mais où il faut ouvrir à l'intérieur pour sortir la lame, refermer, la lame est tenue comme ça, bon, on part du principe que c'est assez délicat de l'utiliser comme outil de défense dans l'immédiat, hein. Voilà. C'est pas comme quand vous sortez un couteau à flipper ou à cran d'arrêt. Voilà, là tout de suite, bon, il n'y a pas photo, ça c'est beaucoup moins toléré, hein, il faut en être conscient. Voilà. On le porte au risque et péril de se le faire confisquer dans les meilleurs des cas, rappel à l'ordre, dans le pire des cas, vous pouvez prendre une petite amende, hein, pour ça, hein, bon, en fait, qui est quand même assez conséquente quand même pour un port, plus en plus la confiscation. Donc selon les couteaux que vous portez, ça vous fait double peine, hein, parce que certains couteaux ont quand même une certaine valeur. C'est pour cela que la pince multi-tool est super utilisée dans le milieu viticole. Alors,
C'est assez récent puisque bah, en fait ça s'est démocratisé pour tout. Hein. Voilà. Donc ça va être pour les petits travaux de la vigne. On va utiliser essentiellement la pince. Mais il y a aussi l'avantage d'avoir sur ce genre d'outil-là une lime métallique, une scie à bois. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de fonctions qui sont concentrées dans un... Il y a même un petit pied de biche là. Enfin, pour pouvoir... voilà. Donc il y a beaucoup de fonctions qui sont assurées dans un encombrement minimum et qui peut être porté toute la journée. Lorsque un ouvrier agricole arrive, enfin, je veux dire, il va pas, enfin, il va pas sortir toute sa trousse à outils, tout le tralala pour faire le business. Lui, il a ça sur lui, il amène avec lui lorsqu'il va boire le café le matin et ça lui sert au quotidien et ça lui sert pour le boulot, vous voyez. Donc, c'est la polyvalence, la multipolyvalence de ce genre d'objet-là est très utile de plus en plus dans le milieu agricole. Et donc dans le milieu viticole, hein, c'est celui que moi je fréquente et que je connais le mieux. Voilà. Donc voilà l'utilisation. Alors après, effectivement, vous trouverez les anciens qui eux travaillent toujours avec une bonne vieille pince multiprise ou une bonne pince coupante où ils peuvent couper les câbles et tout le reste. Effectivement, de ce style-là, vous voyez, voilà, juste avec une bonne pince dans le fond de leur poche, effectivement. Mais bon, les générations assez nouvelles et récentes utilisent de plus en plus de ça. Et donc, c'est super développé l'utilisation de ce genre d'outils maintenant hein, dans le domaine. Voilà. À cela, donc, se rajoute après une fonctionnalité autre, c'est que souvent, lorsque vous utilisez des engins pour travailler, donc, vous conduisez un petit tracteur ou des choses comme ça, ben là, vous avez aussi des outils pour intervenir, si jamais vous en avez besoin, pour des petites pannes ou des petits resserrages ou des choses comme ça, voilà, du quotidien, voilà. Le multi-tool permet d'emporter dans un encombrement minimum un maximum d'outils dans le milieu professionnel pour pouvoir intervenir sur des petites pannes ou des petites complications que l'on peut rencontrer au quotidien de la vie. Voilà. Donc, cet objet-là, partout, dans tous les lieux où je passe, où je croise les gens, ils ont tous ça maintenant dans leur poche. Voilà. En plus d'un couteau de table, effectivement, mais ils ont tout ça. Et alors, ça revient aussi à ce que je vous disais, on ne mélange pas les couteaux de table et les couteaux outils, puisque lorsque vous traitez les vignes et que vous utilisez un objet comme ça, l'objet se contamine par le traitement des vignes et Dieu sait qu'il peut en avoir quand même pas mal, surtout lorsqu'il y a eu beaucoup de pluie comme ça, pour éviter les moisissures et les choses comme ça, on traite les vignes. Et donc, vous n'allez pas utiliser le couteau de votre Victorinox pour couper le saucisson à la pose. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas utilisé ça pour couper le saucisson à la pose. Ça a été contaminé voilà. Et vous ne le lavez pas en permanence. C'est un outil. Donc, bon, certains délicats vont le laver un petit peu plus souvent, d'autres vont le laver beaucoup moins. Hein. Voilà. Donc, il faut en être conscient. Donc, c'est pour ça que dans mon milieu, on a tous à peu près un multi-tool comme ça et un couteau pour la table. Alors moi j'ai pris celui-là, hein. Là on est sur le Ganzo que vous connaissez, je vous en ai déjà fait une vidéo dessus, qui d'ailleurs, pour rappel, je vous le dis, n'est absolument pas autorisé par la loi, hein. Un Opinel serait quand même mieux, un Laguiole, voilà, un Douc-Douc, voilà. Des couteaux traditionnels français qui peuvent être justifiés, surtout dans un milieu rural comme ça, pour le casse-croûte. Voilà. Ici, les forces de l'ordre, lorsque vous avez un couteau dans le fond de votre poche, va pas vous arrêter systématiquement, hein. Tout le monde dans le milieu rural a un couteau au fond de la poche. C'est de tradition. Voilà. Donc les forces de l'ordre, quand même, ont une certaine tolérance à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous avez une tête un peu malhonnête et que vous vous faites arrêter et que vous avez sur vous ça, ça va pas passer. Bon, voilà. Maintenant.
Maintenant, si vous êtes le bon paysan du coin qui dit bonjour aux gendarmes régulièrement, qui les croise le matin lorsqu'il boit son café au petit café du village, et que il a ça dans sa poche ou même ça accroché, des petits couteaux accrochés à leur porte-clés posés sur le comptoir, les forces de l'ordre le voient, ils sont pas idiots, ils le savent, ils disent rien. Et lorsque vous avez à la ceinture comme moi votre étui avec un Victorinox, par exemple, comme ça, vous pouvez avoir un Leatherman, vous pouvez avoir une pince Gerber, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Ils savent très bien que dedans, il y a un couteau. Voilà. Et de plus en plus, des couteaux. Alors, il faut que je le retrouve, parce que là aussi, vous savez. Et vous imaginez si pendant un combat, là, je suis obligé de chercher où se trouve la lame. Et non. Voilà. Donc, voilà. Une lame comme ça, ils savent très bien que c'est composé avec une lame comme ça. Ils ne vont pas arrêter tous les gens qui se baladent dans les bars avec une pince multitool. Donc voilà un outil et pourquoi j'ai en permanence sur moi ce type-là d'outil. Alors je ne vais pas non plus avoir tous les jours avec moi la pince. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, je suis à la babacou, là, voilà. Donc avec le jean troué, j'ai les tatanes aux pieds, j'ai le petit polo tranquille, le chapeau de pagne. Voilà. Aujourd'hui, je suis là. Vous voyez, au milieu des vignes, vous voyez, voilà, derrière vous avez la bagnole si on la voit du collègue, voilà, voilà. Donc on les voit pas, mais ils sont là-bas au milieu des vignes, les mecs qui sont en train de travailler. Vous avez un camion bien là-bas, vous en avez d'autres là-bas, vous voyez, il y a plusieurs équipes parce qu'il y a plusieurs domaines sur le même territoire, voilà. Donc on est tous là, hein, voilà. On a tous notre petit outil avec nous, voilà. On est ici au milieu de la... Donc, j'utilise ça. Alors après, lorsque j'utilise plutôt ma casquette commerciale, bah là, effectivement, je ne vais pas trop avoir ça. Hein. Je vais avoir un Victorinox plus classique, un Sman, un Spartan, voilà, des petites choses comme ça, plus classiques. Hein. Voilà, je vais avoir plutôt ce genre de choses-là. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que, par exemple... dans la vidéo que j'avais faite hier concernant le petit EDC du viticulteur, j'aurais pu trouver par exemple à Lidl, en ce moment il y en a je crois en promotion, ça arrive assez régulièrement, mais vous allez dans n'importe quel magasin, même magasin de produits gros volume pour les produits viticoles, vous avez des multitools maintenant, hein, avec de marques Stanley, Gerber, voilà, des modèles comme ça, hein, pas très cher, pour 24-25 euros, vous avez des pinces comme ça. J'aurais pu effectivement, pour le même prix finalement qu'un Spartan, j'aurais pu lui mettre effectivement une pince multitool. Voilà, alors, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il en a déjà une. Voilà, donc j'ai juste mis un Victorinox en plus, parce que c'est un produit de qualité et tout le reste, et que je connais très bien Victorinox, pour leur fiabilité, comme nous tous d'ailleurs. Hein. Mais bon, je crois qu'au quotidien, il a une petite pince d'ailleurs, qui a été achetée, si j'ai bon souvenir, à Lidl, une pince multitool. J'en ai une, moi aussi d'ailleurs, qui est dans mon bob. Je crois que même, si je ne dis pas de bêtises, dans mon sac à dos d'intervention dans la voiture, là, mon sac de secours, j'ai une pince aussi comme ça que j'avais achetée, je crois, en grande surface de produits, comment ça s'appelle, agricoles ou de produits, enfin, à Lidl ou Bricromaché ou j'en passe et compagnie, hein, pour ne citer que eux. Voilà, j'ai aussi une pince multitool comme ça. Voilà pour l'explication de pourquoi je me trimballe avec ça avec moi. C'est utile pour moi. Voilà, c'est utile pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Voilà pourquoi on utilise des pinces multitool très, très, très souvent. Et ça a pris de l'ampleur depuis quelques années, hein, mais de plus en plus, ça a pris de l'ampleur. Et là, maintenant, quasiment, vous croisez tout le monde a un multitool. Voilà. Certains, selon les moyens, vont avoir des Leatherman, des surges, des chargeurs, des gros multitool comme moi, Victorinox comme celle-là. D'autres vont avoir des pinces plus basiques. Mais on a quasiment maintenant tous ça. Lorsque on est en mode, là aujourd'hui je suis en mode coup de main. Hein. Donc on fait la petite pause de café, on s'arrête, je crois que c'est 10h, hein, ouais, c'est 10h15, vous voyez. On est en période de petite pause. Voilà. Voilà pourquoi on utilise
ça. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et on se revoit rapidement pour une autre vidéo. À bientôt.